Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous sur le tout nouveau numéro d'Appui TV, le Mag. Cette semaine, je vous amène sur la toute petite commune de Plessan où il y avait un événement à ne pas manquer, c'était le Téléthon organisé par Marie. Marilyn, bonjour. Alors, il y a de l'ambiance à Plaisant. Oui, 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 on est très contents. Ce sont des artistes merveilleux. Ils se connaissent, donc ils sont, voilà, ils me mettent l'ambiance, tout va bien, les gens sont heureux. Il fait un peu froid, mais l'ambiance est tellement réussie qu'on se réchauffe. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous fêtez là ? Alors c'est un grand gala avec un repas gastronomique. Nous avons pas moins de 13 artistes sur scène, des sosies beaucoup, quelques chanteurs. Nous sommes parrainés par Ricoun. Valérie D'Amido, hélas, n'a pas pu être présente, bloquée par la neige au fin fond de l'Aveyron, mais elle est là avec nous quand même. Et puis voilà, tout ça bien sûr au profit du Téléthon évidemment, puisque j'ai créé ce Téléthon avec mon mari il y a quelques années ici à Plessan. Nous sommes parents d'un enfant malade, hélas, et on est directement concernés. Alors ça s'est passé sur 2 jours. Sur 2 jours. Hier, c'était donc une journée multi-activité voilà, que nous avons proposée. Malgré le froid, malgré quelques flocons, ça n'a pas empêché la journée de se dérouler. On est allé au foyer municipal qui a reçu tout le monde. Du coup, il y avait une ambiance ultra chaleureuse et on a vraiment passé un bon moment. On est contents. Madame le maire, alors aujourd'hui donc à Plessan, il y a le Téléthon. Alors vous êtes en association de cet événement. Alors bien sûr, la mairie apporte un soutien, j'allais dire logistique, mais aussi moral, à l'initiative de Marilyn et Fred Genoux pour le Téléthon. On a offert hier le spectacle pour les enfants, on a offert le vin, on essaie aussi avec les employés municipaux et avec tous les élus de la majorité municipale d'être vraiment en appui à toutes les initiatives qui viennent des citoyens. Et le Téléthon, c'est un événement important. Alors c'est important parce que jusqu'à 2-3 ans, rien ne se faisait. Et maintenant, il y a vraiment cette famille qui a pris les choses en main. Et nous, parce que nous sommes une équipe solide, solidaire, nous voulons vraiment accompagner cette initiative pour que la recherche puisse avoir une enveloppe digne de ce nom de la population de Plessan. Alors vous, vous êtes coordinatrice de l'événement AFM Téléthon, donc aujourd'hui sur Plaisant. Je suppose que vous avez participé. Alors oui, tout à fait. Je suis la coordinatrice départementale de l'AFM Téléthon. Et bien évidemment, je suis venue à Plaisant, mais je suis venue un peu partout dans le département. Hier, j'étais dans le sud du département. Aujourd'hui, je suis dans le nord. Et donc, je fais mon petit tour, ma petite tournée comme le Père Noël. Et est-ce que les héraultais sont généreux ? Très généreux, très, très généreux. Alors, pas spécialement par Internet en faisant le 36-37, mais énormément en faisant des organisations, des manifestations dans leur village. Et là, ça fédère énormément. Alors Hugo Frey, aujourd'hui à Plaisant pour l'AFM Téléthon ? Oui, parce que c'est un... Je pense que c'est une occasion qu'aucun artiste ne doit rater. Artiste que je suis, petit, mais je n'ai jamais raté un Téléthon et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui j'en raterai un. Alors donc le sosie du Gaufret. Oui, alors nous sommes venus à Troyes, nous sommes les sosies du soleil. Vous verrez, nous avez Carlos, vous avez Laurent Voulzy et moi-même.
Il nous manque malheureusement notre sosie Johnny Hallyday. Si, il est là. Non, c'est pas lui, nous en avons un, parce que bon, il faut reconnaître que dans les sosies de Johnny, c'est les plus nombreux en France. Voilà. Bon, alors vous avez chanté quoi? Eh bien, je suis déjà... Vous arrivez un peu trop tard, c'est bien dommage. Vous savez, un titre que personne ne connaît, qui s'appelle Santiano, et un titre qui est spécialement dédié au Téléthon, qui s'appelle le grand cercle de la vie, qui nous réunit tous, ce pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Alors vous chantez souvent pour des causes comme le Téléthon? On s'autorise à chanter 2-3 fois dans l'année, mais on ne rate jamais le Téléthon, ni le Téléthon, ni le cancer. Merci. Voilà, avec plaisir. Merci à vous. À la maison, on ne peut pas manger avec les doigts. C'est défendu de jouer au billard avec les petits pois. Johnny, alors, à Plaisant aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Bien oui, à Plaisant, parce que... Parce que la demande a été forte et puis que c'est toujours un enchantement et un plaisir de participer malheureusement à ce Téléthon. Mais j'aimerais tellement que la mucoviscidose, le cancer, le sida soient au même niveau que le Téléthon au niveau entrée d'argent, que ça serait merveilleux. On aurait fait un grand pas déjà. Parce que là, le Téléthon, le seul bémol que je peux lui donner, c'est ça, c'est qu'il bénéficie d'une surface médiatique tellement importante que n'ont pas les autres maladies, malheureusement. Mais c'est déjà énorme qu'il y ait autant de gens, autant de monde qui viennent participer, donner de l'argent et passer un bon moment quand même, parce que ça reste malheureusement un moment de fête. Alors vous avez chanté pour le Téléthon? Absolument, je chante pour le Téléthon, bénévolement, comme tous mes amis artistes qui sont là. Et vous êtes le sosie donc de Johnny, le sosie officiel? D'après vous. J'ai essayé Mireille Mathieu, mais ça n'a pas marché. Alors on a trouvé aussi parmi les sosies Véronique Sanson. Véronique, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Plaisant? Ben à Plaisant, je suis venue pour une bonne cause, pour le Téléthon de Plaisant, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez chanté? Alors, je vais donc interpréter donc une chanson vachement connue, c'est Ma Révérence, et ensuite Rien que de l'eau. Pour disparu à l'heure, que je t'ai perdu, que j'aurais bien fait mon chemin. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moi. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Le portrait de la semaine vous est proposé par Brigitte Nézius et elle a posé quelques questions à la mairesse de la commune, Madame Béatrice Négrier. Béatrice, vous êtes maire donc depuis quelques années. Alors
le métier de maire, ça vous occupe à 100%, vous venez de me dire. Oui, alors je suis maire depuis 2014, donc c'est mon premier mandat de maire. Je suis aussi conseillère régionale et là depuis 2004. Donc les deux mandats prennent plus qu'un plein temps. Voilà, c'est du matin jusque très tard le soir. C'est un gros investissement, c'est aussi des soucis, mais beaucoup de chaleur humaine. Alors, votre commune est petite, il y a combien d'habitants? Alors, il y a un peu plus de 1000 habitants, on va dire 1100. Et c'est parce qu'elle est petite que c'est beaucoup de travail. Je pense que quand on arrive à un certain seuil, on a dans l'administration et dans les équipes techniques des personnes bien formées, des cadres qui prennent en charge beaucoup de domaines. Et quand on est une petite commune, on a un petit budget et automatiquement, on a peu de personnel et donc on ne peut pas s'appuyer sur des techniciennes dans chaque domaine. Sinon, dans une autre vie, vous faisiez quoi? Alors, j'étais formatrice. Ça veut dire j'accompagnais à l'emploi et à la formation qualifiante des personnes demandeurs d'emploi très éloignées justement de l'emploi, de la citoyenneté, d'une vie sociale traditionnelle, entre guillemets. Donc vous faites votre mandat de maire avec l'angle social très aigu. Tout à fait. L'angle social, il est fondamental parce que dans une commune, lorsque on accueille des nouveaux habitants, si le mot accueil ne veut rien dire, si on laisse sur le bord du chemin un certain nombre de familles ou un certain quartier, si on oublie des citoyens, le sentiment d'exclusion qui est déjà un peu latent pour un grand nombre de personnes s'amplifie et on se retrouve avec un isolement que j'appelle isolement pavillonnaire. C'est un mot plutôt parisien que du sud, mais on se retrouve avec des personnes qui s'isolent, qui ne participent pas à la vie locale et qui ont ce sentiment d'abandon qu'on retrouve après dans les urnes par des votes extrêmes. Donc l'objectif de notre commune, c'est de s'équiper au niveau des infrastructures et également de s'appuyer sur les hommes, sur les bonnes volontés, au-delà du conseil municipal, mais sur des citoyens qui ont envie de s'impliquer. Alors Plaisance, c'est une petite commune de l'Hérault, essentiellement viticole. Tout à fait. La viticulture ici, c'est encore, j'allais dire, l'activité numéro un. Et c'est même une caractéristique qui devient rare dans nos villages. Donc il faut garder cette spécificité, cet esprit village, agricole, et travailler autour de ça, dans l'accueil des nouveaux habitants, qui comprennent que quand ils s'installent ici, ils s'installent dans une commune rurale. Donc ils n'auront pas tous les services qu'ils avaient dans les quartiers de Montpellier ou d'ailleurs, mais ils vont essayer avec nous de trouver un esprit village, c'est-à-dire un esprit communautaire, un esprit solidaire. Et c'est ce qu'on voit en ce moment avec les manifestations qui ont lieu autour de nous. Sinon, pour donner envie de venir visiter Plaisance, qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine? Alors, Plaisance, c'est un vieux village médiéval qui commence un peu à être mis en valeur. Il y a dans le vieux quartier des petites rues magnifiques, pavées, avec des maisons très anciennes, des traces de vieux châteaux. Et puis il y a dans la forêt communale des restes d'une vieille chapelle, il y a un dolmen, il y a traces des Wisigoths ou Visigoths. Voilà, Plaisance n'est pas né aujourd'hui. Par contre, c'est une commune qui a stagné en nombre d'habitants pendant très longtemps et qui aujourd'hui se développe. Très bien, mais écoutez, on ne peut qu'inciter tout le monde à venir voir Plaisance. Merci. Merci. Il est rentré à Montpellier à cheval. Il est rentré à Montpellier à cheval. Il a pas digéré le crocodile enragé. Il est rentré à Montpellier à cheval. Nicolas, el bandido, Nicolas, Nicolas. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée de Marilyn.
ça fait partie des coutumes et des traditions. Hey, hey, avant de rentrer à la maison, il part si l'on gagne, je reviens de demain. Quelle est la première image que vous voyez quand vous pensez à votre enfance? Je vois la campagne. Pourquoi vous êtes de la campagne? Voilà, je suis rurale, profondément rurale. Donc je vois la campagne, je vois la garrigue, je vois du sec, du chaud et du sec. Alors, qu'est-ce qui vous laisse sans voix? La bêtise humaine. Quel sentiment n'aimeriez-vous pas inspirer? J'aimerais pas inspirer l'indifférence, j'aimerais pas inspirer le mépris, parce que voilà, c'est les choses les pires, je crois, dans les sentiments humains. Votre principale addiction? Vous n'avez peut-être pas. Oh si, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai beaucoup de défauts. Je fume, j'aime la fête, j'aime, voilà. Donc, c'est pas un défaut d'aimer la fête. Si, mais bon, voilà, ma principale addiction, je dirais, je suis accro aux amitiés solides. Vous préférez le jour ou la nuit? La nuit. Pourquoi? Je sais pas, ça a toujours été. Voilà, je suis plus efficace le soir que le matin. Vous travaillez beaucoup, oui. Souvent la nuit? Oui. Oui. Un travers dont vous aimeriez vous débarrasser? La spontanéité. Je suis parfois trop rapide dans mes réactions. Ah oui, vous ne tournez pas cette fois. Voilà, voilà. Alors dans mes propos, ça arrive, mais souvent dans mes réactions. Un autre métier que vous auriez aimé exercer, à part votre métier d'enseignante et de mère? Je crois que j'ai toujours voulu transmettre. Donc l'enseignement, c'est ça, mais il y en a d'autres. Le journalisme, par exemple. Voilà, tout ce qui amène à transmettre et ce qu'on pense, ce qu'on sait, les valeurs qu'on dispense. Un cauchemar récurrent chez vous? Ou un rêve? Alors un rêve, voilà, un rêve, ben voilà, moi j'aurais rêvé avoir tous mes enfants, mes petits-enfants, juste à côté de chez moi, alors qu'ils sont dispersés, voilà. Mes rêves ont toujours un rapport avec ma famille. Avez-vous déjà triché pour avoir un examen? Non. Non. Vous êtes honnête? Non, sincèrement non, j'ai pas triché pour un examen. Par contre, j'ai révisé au dernier moment. Toujours. Ça dure, il a toujours. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans la vie? 9. Ah, ben c'est bien. Oui. Très bien. Écoutez, merci. On a assez un petit peu plus, un peu plus sur vous. Merci beaucoup. J'ai essayé. Hein. Vous m'avez dit d'aller vite, alors je suis allée vite. Des phrases tagada. J'adore. Moi aussi. Ça fait des guillis sur la langue. Tu crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Tagada, on grandira plus tard. Arrive au C'est beau la vie pour les grands et les petits. Et à Plessans, commune de 1100 habitants, je vous le rappelle, il y a aussi un patrimoine très très riche. Alors le patrimoine de Plessans, c'est aussi cette petite chapelle, la chapelle Saint-Mamère, qui va être restaurée par Guillain, qui est tailleur de pierre. Alors Guillain, gros chantier? Gros chantier en vue, je suis tailleur de pierre, mais je suis aussi formateur.
et nous allons débuter une formation au mois de mars pour restaurer entièrement cette chapelle et aussi des abords qui rentreront ensuite dans le circuit de randonnée à la ville de Plessan. Alors combien d'années vous vous donnez là pour restaurer, à fin d'année ou je ne sais pas, deux mois peut-être? Alors nous aurons trois sessions, si tout va bien, de formation. Nous allons restaurer la chapelle mais aussi le patrimoine de Plessan, c'est-à-dire comme nous l'avons vu tout à l'heure, les deux fontaines. Et sûrement nous allons faire peut-être même des créations qui rentreront dans le village de Plessan. Voilà. Alors qu'est-ce que vous savez sur cette petite chapelle? Alors cette chapelle a été citée en 1136 sur le cartulaire de Gélonne. C'est une, d'après les plans, d'après les relevés qu'on a fait et les relevés qu'on a fait sur les chapelles aux alentours, il s'avère que ça serait une chapelle visigothique avec un chevet plat et une nef unique. On peut trouver une chapelle similaire à Lunas, Saint-Georges, et quelques chapelles de type visigothique dans toute la région. La particularité de ces chapelles, c'est qu'elles ont une entrée avec un arc outrepassé. Nous allons essayer de reproduire ce qui devait être à l'origine. Nous avons fait beaucoup de recherches, pratiquement un an, avant de sortir des plans. Nous allons établir une maquette en partenariat avec le Fab Lab, qui sera présentée au mois de janvier lors des vœux de Madame le maire. Voilà. Très bien, ben merci et puis bon courage. Merci. Chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés. Agissons sur 30millionsdamis.fr. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous rappelle toutefois qu'à la fin du mois, vous pourrez regarder la chaîne Palavas TV sur www.palavas-tv.fr, mais aussi la Salvetat sur Agout sur lasalvetat-tv.fr. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.